économie de papier totale. Là, je fais du 80. Évidemment, l'après-mastic, ça charge énormément le papier. On va faire d'une autre manière. Arrosage constant. Mieux. Presque bon. Ah, on touche la perfection là. Déjà la coulure a complètement disparu. Maintenant on attaque les fameux clignotants.
Bon, il pleut un peu, mais c'est pas grave. Voilà, l'emplacement parfait pour l'arrosage. Là, c'est parfait. Donc des grands gestes, hein. Vu que le but c'est d'éviter les dénivelés, on fait des grands mouvements. Là, je pense qu'on est déjà bon, mais bon. Ah. Oh là là. C'est beau ça, hein. Et ce serait parfait que ça m'étonnerait pas. Le papier toujours propre, hein. C'est ce qui fait la différence, hein. Pas de poussière. Travail. Soigné. Avec l'eau qui arrive constamment comme ça, vraiment là, c'est du bon boulot. Et la réparation des clignotants, elle est indétectable. Voilà. Je vais mettre un coup là pour enlever la vape qu'il y a sur les bords avec du là je suis sur avec du 1002 qui traînait sur la table. Deux, c'est léger, hein. Là, il y a un petit morceau. Hop, 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 hop. Mieux, hein. Mais c'est ça, c'est mieux. Ça, c'est
après que je me suis servi comme mastic. Donc évidemment, il y aura un dernier coup d'après à mettre par-dessus pour faire disparaître la grande auréole, on va dire. Ça va être tout reponcé, ça, de toute façon. Il pleut un peu, on va mettre une... Voilà un premier résultat. Il faut qu'on ne sente pas d'escalier à ce niveau-là, le moins possible. Je vous conseille de passer à la... Là, j'ai mis un coup de ponceuse avec du 240. Et là, je finis à l'eau, bien sûr. Et là, je finis avec du 600 à l'eau. Et il faut les poncer dans ce sens-là et pas comme ça. Dans ce sens-là. Faire disparaître l'escalier, il faut qu'il soit à peine sensible, et il disparaîtra après avec une deuxième couche de d'après avant de peindre. Là, j'ai plus que le recoin ici à faire, qui est vraiment important, l'escalier. Et là, je pense que là, on est sur quelque chose de parfait. Je vais attaquer l'autre. L'autre côté, qui est brut d'apprêtage ou de masticage.
avec des cales comme ça, c'est obligé que ce soit droit au niveau de la réparation. Bon là, c'est bon, hein. Là on est droit, mais super plat et parfait. On va faire les bords. Petit nettoyage, c'est même pas la peine. Appuyez fort. Christian qui est moniteur de ceinture, il avait une boîte, lui. Maintenant il est prof parce qu'il a plein le cul d'être taxé dans tous les sens. Il m'a dit, t'as ton gars, il fait de la peinture à bas dessous. Je dis, bah ouais. Okay. Hein? Ah bah je lui envoie Christian. Bah pourquoi t'es pas venu me voir? Le prochain truc qui a une Clio grise, lui il a eu une carrosserie pendant au moins 15 ans. Hein? Allez, ciao! Et puis tu me diras où c'est le... Imodec, c'est là-dessus! Eh, hey, mais vas-y, pas comme ça! Hein. Non, mais vas-y, pas avec un pigeon comme ça! Présenter comme tu vas danser tout là.
Bon, à l'air, ça marche pas. Moins bien. Pas pareil là. Bon, le papier à l'eau il se remplit plus vite que le papier à sec, c'est bizarre non? Donc là il y a toujours un rebord, hein. Hop hop, il faut qu'il disparaisse. Ouh, comment ça va être bien là. Non, moins bien. On va peut-être forcer moins. Là, c'est parfait là. Plus aucun ressenti, plus aucun escalier. C'est tout là à faire. Voilà, il commence à pleuvoir un petit peu fort. Je vais continuer à l'intérieur. Déjà, on voit bien le résultat. Grâce à l'eau qui tombe constamment, on voit vraiment la brillance comme si c'était verni, quoi. Là, on est perfect. Voilà.
La surprise. Un petit trait blanc. Que je vais supprimer. De l'autre côté, je le souffle aussi, encore plus important parce qu'il y a du métal, il va falloir recouvrir. Là, côté droit, c'est nickel, nickel, nickel. Par contre, ça, faut y recouvrir. Comme ça, je peux la mettre dehors, il n'y aura pas de rouille. Donc l'autre côté, faire disparaître le petit trait là. Je ne sais pas si on le voit bien la caméra. On le voit bien, je ne sais pas. Bientôt plus là.